raciste. Ah, non. Bon, elle est normale. Donc là, aujourd'hui, on va voir ce pourquoi on est là, c'est-à-dire la deuxième DB. Leclerc, qui c'est? Le premier qui me dit c'est le patron d'une grande surface, attention, hein. C'est qui Leclerc? La deuxième guerre mondiale, ça démarre quand? 44. Non, 39. Début septembre, hein, les Allemands attaquent la Pologne et la France déclare la guerre, l'Angleterre et la France déclarent la guerre à l'Allemagne, puisqu'il y a un traité d'assistance. Théoriquement, première armée mondiale, on est écrasé, laminé, l'exode, la charrette, les civils qui fuient, etc. Et là, la France s'appelle qui? L'Assemblée? Non. Qui est-ce qui prend la direction de la France à ce moment-là? Le maréchal Pétain. Hein? Maréchal Pétain. Pourquoi le maréchal Pétain? S'en rappelle? Parce que c'est un vainqueur de Verdun. Voilà, c'est 14-18. Il y a la référence à 14-18, le grand massacre de 14-18. C'est le vainqueur. Donc la France appelle au secours le maréchal Pétain. Il y a un gouvernement qui se met en place et qui signe l'armistice avec les Allemands. Ça veut dire quoi l'armistice? Ça veut dire qu'on arrête, vas-y. C'est un traité. C'est pas un traité. On arrête les combats. Pendant un certain temps. Et on dit, on va discuter, on voit ce qui se passe, c'est pas encore un traité de paix. On est battu, mais la guerre est pas finie. À partir de 1942, là, les Allemands se battent sur la côte. Il a des Français qui sont d'origine sociale complètement différente. Il a de tout. Hein. Il y a toutes les origines au niveau social. Au niveau religieux, il y a de tout. Il y a les chrétiens, protestants ou catholiques. Il y a des musulmans, il y a des juifs, il y a tout. Et la force de Leclerc, ça a été ces 16 000 hommes d'origine sociale, d'origine religieuse, complètement différente, de les amalgamer, d'en faire une unité qui n'a eu qu'un seul objectif, libérer la France. D'accord? Hein? Là, la deuxième DB, les Américains, c'est sous les ordres des Américains. On va faire le balade sur eux. Et tout le monde, allez. Attends. Il y a un air qui est tan-tan-nanana, tan-tan-nanana. Ça, c'est un air. Et les couleurs, elles se lèvent le matin quand vous n'étiez pas levé, vous. Hein. Donc, je ne vous ai pas fait lever, hein, mais vous savez que ça se lève le matin et on l'enlève le soir. Pourquoi on l'enlève le soir, à votre avis? Parce qu'il n'est pas gardé. Eh oui, parce que... Se le faire voler, non mais parce que on le garde, ça doit être gardé, donc effectivement, on ne laisse pas les couleurs, on ne laisse pas le drapeau national tout seul. Donc on le redescend, on le range, on le plie pas en vrac. Hein, vous avez vu, moi je le plie correctement. Donc, à disposition de Jean-Michel sur la plage. Bon. On est sur la plage du Tabitch. Il y a pas. En fait, c'est là qu'il y a eu le débarquement. Il aurait dû avoir lieu un peu plus loin, mais avec le courant, il a été dévié. On nous a également dit comme quoi il y avait beaucoup de personnes qui venaient repérer les lieux, qui faisaient des schémas, des croquis et tout, pour pouvoir prévoir les chars, les appareils qu'il faudrait. Et par contre, il n'y a pas eu de grandes batailles ici. Ça n'a pas été aussi sanglant qu'à Laoma Beach. Alors, où est-ce qu'on est? Sur quelle plage? On l'a dit hier, combien il y avait de plages? 5. Bien. La plus importante, la plus... Où c'est? La sanglante. Voilà, très bien. Donc on a Biche la sanglante parce que là-bas, effectivement... Il y a beaucoup de sang qui a coulé. Voilà. Et ici, c'est bien, on revit vraiment ce qui s'est passé, on est sur les lieux. Non, franchement, bien. On dort même dans des tentes d'époque et des lits d'époque. Franchement, très bien. Ici, ça a été moins embêtant. Pourquoi? On ne vous l'a pas dit d'ailleurs, je crois pas. Ça a été moins grave, ça a été plus facile à débarquer, parce qu'il y a des grands courants ici. Et les bateaux, ils ont été décalés. Voilà, ah ben c'est bien, donc ils devaient débarquer un peu plus loin, et ils se sont retrouvés à débarquer ici. Hier, on a même vu un des combattants, enfin il n'a pas vraiment combattu, mais il était là, il avait 17 ans. Ben, franchement, c'est beaucoup mieux qu'une personne qui l'a vécu ou l'apprenne que quelqu'un qui l'a lu dans des livres. Pourquoi à marée basse? Parce qu'il y avait des mines. Des bâtons avec des mines ici, ils amènent. Et comme ça, ils pouvaient s'installer pour la marée.
En classe, on a assez travaillé ça, mais on n'a pas les mêmes sensations qu'à l'endroit prévu. On va dire, vu qu'on a travaillé ça, c'est surtout un bon complément. Bon complément d'arriver ici, les musées en plus, avec les films, ce qu'on ne peut pas toujours voir en classe. Il y a 60 ans, je vous le remonte, il y a 60 ans, vous le savez, voilà ce qui s'est passé. Ils étaient là, ils débarquaient. Et qu'est-ce qu'on voit ici ? La petite maison. La maison qui est là-haut, la petite maison qui avait un toit rouge. Et maintenant, c'est un repère. Ça a servi de repère au débarquement. Leclerc, en 43, à la constituante de 2e DB, rassemble des Français de toute origine, sociale, religieuse, différente. Et on leur fait un parallèle avec eux, qui sont, ce groupe, est de, même s'il est issu d'immigration, est de toute origine sociale différente et qu'autour de ces valeurs, on peut se regrouper. Et dans la nuit, qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit derrière, là-bas ? Les parachutistes. Dans la nuit du 5 à 6. Non, voilà, dans la nuit du 5 à 6, les Américains ont largué de l'ordre de 11 000 parachutistes. De manière à ce qu'ils prennent les ponts, qu'ils prennent l'arrière, ça on va le voir tout à l'heure au musée de Sainte-Mère-Église, et ils débarquent ici. Donc, ils débarquent ici, marée basse. Pourquoi marée basse ? Parce qu'il y a des pièges. Bon, il y a des pièges, et ils ont combien de distance ils ont à parcourir là ? 500 mètres. Sous le feu des armes allemandes, puisqu'il n'y a pas de char, c'est la poitrine face aux armes allemandes. D'accord ? Je crois que pour eux, la Seconde Guerre mondiale, c'est la préhistoire. Ils n'ont rien comme notion, ou très très peu. Plaisantant, on disait un jour, j'ai eu demandé Leclerc c'est qui ? On m'a dit c'est le patron d'une grande surface. Ils ont pratiquement aucune notion. Aucune notion. Mais où vraiment très très pour les plus mauvais, ils ont rien, ils savent pas. J'ai cru que la guerre, y avait Hitler, non. Il y a des lois dans la guerre ? Non. Si, il y a des lois. Non, il y a des lois dans la guerre ? Non, la guerre c'est la guerre. La guerre, c'est la guerre, mais vous rappelez pas. Pour si, y a des lois. Mais voilà, je vous ai dit, il y avait des lois, il y a eu des règles entre guillemets. Avant, on se battait, on tuait n'importe qui, n'importe quand. Il y a eu la Croix-Rouge qui est arrivée, puis il y a eu des lois. Ces lois, ils protègent les prisonniers. Là, vous vous en rappelez un prisonnier. Il a le droit de faire travailler, il a le droit de torturer. Il a le droit juste de demander son prénom. Et voilà, on a le droit de lui donner son nom. Et quelle nationalité ? Son grade. Son grade. Et son cerveau. Voilà, mais on n'a pas le droit de le torturer. On doit bien le nourrir. On doit le traiter humainement. De manière à vous montrer, vous avez vu ce chemin ? Bon, ce chemin, c'est un axe de progression, comme plein d'autres, avec les Américains. Représentez-vous, il n'y a pas les jeeps, ils marchent là-dedans, dans ce coin-là. Il y a derrière une mitrailleuse allemande, derrière les haies, n'importe où. Ils possédaient ce petit criquet. Quand il y en a un qui avançait ou qui se demandait s'il y avait quelque chose, il faisait. Et l'autre répondait. Donc, il savait que c'était un ami. Et donc, dès qu'il se regroupait un petit groupe de 5, 10, un tout seul, tac, tac, il s'appelait, et il se regroupait, il se regroupait, il se regroupait. Bien sûr. Elle répond 3 ou 4 fois, ou non. Plus 2 fois. Ah non, bah s'il fait. Ça veut dire que l'autre, c'est peut-être un Allemand qui a pris le criquet sur un soldat américain. Allez, on reprend nos places dans les jeeps, on continue et on va à Sainte-Mère-l'Église. Vous avez vu, je vous ai fait passer par des petites routes. Yes. C'était sympa comme petite balade. On a failli se perdre même. Donc tout ça, tout le bas, c'était des marais inondés. Après, il a fallu que les gens de là-bas progressent. Ah, c'est bon. Merci. C'est la salade.